Bonjour mes élèves, bonjour. Et aujourd'hui, nos leçons, c'est démarrage, étoile, toujours moteur asynchrone triphasé, démarrage, étoile, triangle, deux sens de manche. Et la théorie, moi, je finis de faire dans la leçon précédente. Hein. Ça veut dire aujourd'hui, moi, je vais faire juste le circuit. Mais seulement, vous ne pouvez pas faire le circuit avant. Moi, je vais vous faire disons, en live. Ça veut dire de prouver comment vous faire le circuit là. Et il m'a une logique, moi, je me suis servi pour me construire un circuit là depuis zéro. OK? OK, ça veut dire que je me suis servi mon simulateur. Et s'il y a un petit problème, nous pourrons régler le problème là en live, comme on dit. Et moi, je share mon screen. Hein? Share the screen. Screen 2. Share. OK. Je veux dire, mobile là. Voilà. On fait la norme là. Hein. Et pour commencer même, mon besoin une source. On vient mon cas prendre une source triphasée avec note. Bon, maintenant, on va faire minuscule, mon besoin de net, comment dire. OK. Source triphasée plus note. Allez, vous servez, vous me cassez vite triphasé, après mon poste. Ouais, vous me cassez seulement triphasé, vous me servez seulement triphasé. Ok, mon tourni, façon mon bijani. Mon bijani, comme non, mon bijani, de façon là. On va faire une coupe. Non, mon bijani, une autre façon. Mon bijani, LNL de F, en malgré, et à l'envers, mon bijani, comme ça. Bon, après ça, mon prénom, mon sectionneur. Ça veut dire, vous tapez sectionneur, interrupteur sectionneur, ça, pas ça, pas ça, ça, on vient ça. Voilà. Et, bon, je vais connecter mon sectionnaire. Voilà, je vais finir connecter mon sectionnaire. Après ça, mon prénom, mon contacteur triphasé, premier sens de manche. Contacteur. Et tripolaire. KM, ce qui m'appelle KM1. Comment il change de manche? Bon, même la réassurance, si vous prenez le contact tripolaire, vous mettez là. Bon, vous avez ça, c'est vous. Ou la deuxième sens de manche. Ça veut dire, mon deuxième pourrait se parer. OK. Bon, après ça, bien sûr, après ça, mon prénom, mon relais thermique. Hein? Mon prénom, relais thermique. Mon relais thermique. Hein? Relais thermique. Thermique, Sarah. On met ça là. Allez, on met ça là. Moi, je ne serais pas prendre trop beaucoup de temps pour faire un circuit. Hein? Voilà. On les a là. Nous tiens, nous les dit. On vient premier nous connecter en premier. Deuxième, nous connecter en deuxième. Troisième, nous connecter en troisième. Voilà, on reste ici, comment dire, pour dire un peu uniformité. Alors, ça, trois premiers noms, lit mon point VSI en avec la troisième. Là. Ça veut dire, la première noms, mon connecté trois ici. Là. Deuxième là, il reste deuxième même. Voilà. Et troisième là. Là. Voilà. Et mon besoin d'un verrouillage,
Si, mon régie trouvait un verrouillage. Bon. Ils m'ont bien fait là, m'ont bien changé. Hein? Mon régie trouvait un verrouillage, contacté un verrouillage. On était là, on met plus là. Et malheureusement, il était avec ça quand même deux, pas un an. Ça veut dire quand même un, contacté en marche avant, quand même deux, contacté en marche arrière. Phase 1, une phase 3. Ça veut dire un numéro 3, trois numéros 1, etc. Bon, et mon finissant, mon relais thermique, bien sûr. Mais là, il y a connecté directement avec mon moteur. 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 Puis il parlait de mon associé moteur. Hein. On pensait ça. Ça même ça. Là. Connecté là. Connecté là. OK. Alors, c'était là, mon amour contacteur étoile client. Toujours. Mon contacteur. Tripoler même. Je me dis par là. Après, tu as un nouveau tendu. Ça, c'est pour mon contacteur triangle. Triangle, moi, je disais à l'autre, c'est dispositif comme ça, disposition comme ça. Premier connecté à premier. Là. Ça n'est pas là. Deuxième connecteur, deuxième. Pas là, mais ici, c'est-à-dire sa première connecté UN bien connecté avec W2. Là. U2 bien connecté avec V2. Là, et ça veut dire qu'on est bien là. Là. Il me donne des ordres, c'est bon. Là. Il me donne des ordres. On m'en met trop d'accord, oui. Alors, je me fais mon modélisme, tout ça. Là. Bon, oui, bon. Ça veut dire ça connecté à ça et ça connecté à ça. Nous descendons. Ouais. Puis nous faisons aussi appui. C'est un moins 10 fils qui croisent. Puis les pivots. Ça vient. Là. 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 Là, il y a ça là pour connecter à ça. Voilà. Avec propre là. Correct. Et bien, là, moi, dans mon contacteur est un triangle. Oui, mon contacteur étoile. Et le contacteur tripolaire. Étoile, mon dieu, qui nous besoin de ça en ça. Les là-haut. Nous besoin de ça en ça. Nous allons tout ensemble. À 3 là, U2, V2, W2, plus un ensemble. Celle-là, bon, bien connecter ça. Avec ça. Bon, vous voyez là, bon, il vous paraît de joli si vous faites ça là. Vous faites un choix. Ouais, il vous paraît de joli. Bon, vous voyez là. On va dire, voilà. On va dire, c'est un mot étoile, un mot triangle. Bien sûr, il y avait trop loin. Donc, je t'ai dit. Donc, je t'ai dit, on ne va pas mettre un verrouillage. On tape un verrouillage. Verrouillage. Pas trouvé. Trouvé, verrouillage. Bon, pas encore. Bon, on finit, c'est plus en tension. Tension, enregistrer, enregistrer.
bien sûr. Nouveau diable. Étoile. Triangle. Deux sens. T'as l'air. Pas du bleu. Bon, mais trouvé, regarde, là, why? Ah, il a. Un déverrouillage. OK? Ça veut dire, ça a deux contacts là, verrouillage mé mécanique, ça a deux contacts là, verrouillage mécanique. C'est-à-dire là, au circuit de puissance infinie, là, infinie. Infinie. Pourquoi j'ai fait ça? Ça veut dire, quand il y a une étoile, il passe par une thermique. Quand il y a un triangle aussi, il passe par une thermique. Dans un sens, il passe par une thermique. Dans l'autre sens, il passe par une thermique. Aussi simple que ça. Mais c'est moi là. Moi décide pour comment on appelle ça? Pour faire mon circuit de commande. Pour faire mon circuit de commande. Et moi servi. Comment on appelle ça? Une bobine, contacteur de 230 volts. OK? De 230 volts, ça veut dire moi besoin de neutre. Et mon rôle de neutre. Neutre, sous ce neutre, moi je ne neutre pas là. Dans l'envie de nous faire, oui. Correct? Et. Pouf. Bon, comment on va faire ça? Allez, nous commençons. Ça veut dire là, à celle-là, mon objet, et non. Nous commençons, ça veut dire. Bon, allez, mon mettre mon sous ce neutre. Il n'est pas facile, moi, pas là. Vous mettez pas là. Vous commencez et nous mettez un contact de préfecture. Non. Ça veut dire, comment on appelle ça? Contact. Contact. Normalement fermé. Non, normalement ouvert. Normalement ouvert, contact de préfecture. Là, mais c'est le moment où j'ai tourné édition. Là. Rotation gauche. Ouais, voilà. Et début associé Q1. Q1. Bon, connecter les gaines. Pardon, on va parler de ça même. C'est la proche qui parle de ça. Voilà. Code. Fini ça. Bon, vous avez un mot. Sectionneur de commande. Ça veut dire sectionneur. Sectionneur interrupteur, sectionneur. Fusil. Regarde, voilà. Me tourne. Bon, je viens mon circuit. Là. Me dis voilà. 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 Bon, après ça, on prend un mot contact relais dynamique. Relais dynamique. Bon. Fou. Attends, on va arriver. Non, regretter. Relais dynamique. Dynamique. Contact relais dynamique. Ça, voilà. Division associée et F1, ça veut dire mot sans division associée et F1. Correct? Après ça, qui m'a besoin, non? Mon bouton poussoir d'arrêt. Bouton. Soit normalement fermé. Voilà. Là, je m'appelle IS1. Mon premier bouton, vous savez, je vais vous appeler IS1. Dans les autres livres, parfois, je m'appelle IS3. Je veux dire S1 marche avant. Bon. Pour moi, premier, divine d'après, dessin que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire dessin là, premier bouton, vous m'appelle IS1. OK? Après ça, qui m'a pris dans mon bouton, vous savez, marche. Manche avant. Ça veut dire normalement ouvert. Là. Manche avant.
et disposé ferme sa contacteur. OK? Disposé ferme son contacteur. Mais en même temps, quand ça, vous fermez, ça pas vraiment fermé. Ça veut dire, mon besoin de contact. Contact normalement fermé. Contact normalement fermé. Contact normalement fermé. Contact normalement quotidien. Contact NF, normalement fermé. Voilà. Contact, parce qu'il nous a verrouillé ça déjà électriquement. Ça veut dire ça, mon propre lit, KM2. Voilà, KM2, c'est tout. C'est tout. Et pour appuyer l'eau là, sa bobine là, vous a alimenté. L'eau là, une bobine de 130 volts. Bobine KM 230 volts. Voilà. Voilà. Et ça, vous avez connecté mon neutre. Bon. Je vais faire. Vous connectez mon neutre ici. Aïe, papa. Vous connectez mon neutre ici, mon tourne. On a son gauche. Voilà, là. Mon tourne. On prend mon neutre. On met là. Voilà, mon source note. J'ai compris. Voilà. Bon, je m'en bien. Hein. Je trouve ça m'a l'air foncé. Hein. Ça fait mon câble puissance. Ça bien? Ça m'a câble là, utilisé commande. Mon moins foncé commande, mon mal PLI. Mon corrigé, il y a un petit câble là. Commande. 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 Bon. Mais ça me s'appelle en bas là. Voilà. Et normalement là, qui peut arriver, ça va arriver non rien. Là, si je fais mon schéma, mon simulé, si je ferme ça, je ferme ça. Et si je paye ça là, vous trouvez là. Ça veut dire, les poils. Non, il va pas arriver. Mon moteur va vous tourner. Non, il va pas arriver. Simplement, simplement, ça, il me ferme. Et ça va alimenter. Justement, ici, il est ouvert. Et. Ça va alimenter à travers les enroulements, soit par là, etc. OK? Thank you. On continue les mots choses, hein? Le mot bouton poussoir, là, pour ça, il reste comme ça même. Et mon conception. Ça veut dire là, mon besoin est un auto-maintien. Un auto-maintien, c'est un contact normalement ouvert, un numéro de lit. Contact. Normalement ouvert, voilà, le relis et le objet tourne lit. Rotation gauche, rotation gauche, le objet tourne de la façon là. Donc connecter lit là, en body là, connecter lit là, en body là. Vous dire libé, ça c'est KM. Voilà, c'est KM. OK? Là, donc, bien sûr, chaque cours, vous allez faire un accompagnement qui ça c'est un connecté de commande. OK? OK. OK. Et moi, simuler, affichage, schéma, simulation, c'est moi simuler là. Alors, bien sûr, ça vous fermez, mais il pourrait se fermer. Hein. Simulation, non, vous allez faire ça, vous ferme ça, il reste fermé, et non, il n'est pas arrivé. Non, il va arriver. Et. Non, il va arriver.
Bon, ma paye en enrhumé là. Okay. Et moi, la place pour réussir, j'avais dire, ce qu'ils vont vous faire. Vous ouvrez ça et les bords là. Voilà. Voilà. Moi, je stoppe de chez un coup. Moi, maintenant, pose le mot vidéo. Et. Ok. Mon retourner. Alors, moi, je vais maintenant pose. Et nous réussissons le screen. Faire. Ok. Voilà. Après là, ce qu'ils m'ont besoin de faire, m'ont le contacter. Ça veut dire un coup de manche avant, un coup de manche arrière. Et il est facile pour faire ça. Ça veut dire mon reprend ça. Là, mon copier dit. Mon musique a fait un bon, un. Mon vous dit là. Ok? C'est bon. Seulement un problème. Là, mon frère, ça a un année là, pareil. On vous dit ça ici. On a dit ça pour aussi, là, on va copier. On met là. Non. On a dit pareil. Voilà. Moi, je donne ça là. Et me dire qu'il y a une commande ça. Et ça, c'est ça KM2. Ça là pour KM1. KM1. Ça là pour KM2. Et mon rôle est une bobine. Bobine, mon garçon, je vais te faire là-bas. Bobine KM230 volts. Voilà. Bon, on va faire la commande. Okay. Et moi, je vais faire ça ici. Commande. OK. On va dire S2, bouton pouce en manche avant. S3, bouton pouce en manche arrière. Nous, simili, bout par bout. Nous, on va là. Et. Bon, ça ferme. Ça vous ferme. OK. Ça pouvait être possible. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a un verrouillage électrique. Je stoppe ça. Je stoppe là-bas. Stop là. Stop. Tu stoppes. Et je me ferme ça. Ça en a fermé. OK? Phase inversée. Première ligne, troisième. Troisième ligne, première. OK. Je vais faire la partie là. Après, la partie qui m'a besoin de faire. M'a besoin de faire. La partie que vous avez fait, c'est à faire étoile triangle. Là. Et si vous m'avez fait, avec bien là, hein, ça veut dire, quand KM1 alimenté, le bisin alimente KM4, après, nous en étant KM3 pour bisin alimente. Hein, il y avait un envers. Nous étoile KM3, nous sommes étoile KM3, nous avons envie de changer, nous sommes envie, allez, allez, moi, changer. Au sens dit, moi appelle ça par exemple KM5 avant, ça n'a là. On appelle lui KM4. Correct, triangle c'est KM4. Étoile de la mauvaise réduite KM. Ok, au sens, il y a bien étoile KM3, triangle KM4. Bon, à ce tir là, quand n'importe ça de là, pour alimenter, je suppose faire un. Ça veut dire quand ça alimenté, divisé alimente KM3, et quand ça a aussi alimenté, divisé alimente KM3, et puis là, après le temps de l'état, KM3 vous besoin désalimenter, KM4 qui peut alimenter. Alors, comment on peut faire ça? Alors, ce qu'il faut faire, nous prenons par exemple, nous prenons un contact. Contact normalement ouvert, mais qui là? Mon copie.
Nous prenons une autre nouvelle là. Aveugle nous veut dire qu'il sent ses contacts KM1. Ça, ses contacts KM2. Et nous allons te dire ensemble. Et nous dire qu'il commande ça. Nous les lis là. Nous venons à Aura. Nous disons avec qui nous commandons ça. Allez, il y aura deux là alimentés. N'importe quel alimenté. Il faut que j'alimente. KM3. Le problème. Allez, faire comment dire, faire comment dire. Nous mettons bobine. KM3, pas connu. Hein. Bobine. KM 230 volts. Là. 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 OK. Nous mettons ça commande, bien sûr. Commande. Ça aussi commande même. Ça aussi. Ça aussi commande même. Nous simuler. Ça veut dire, je me ferme ça, je me ferme ça. Mon moteur est roulant en étoile. Dans ce sens-là, on ouvre ça, on ferme là, mon moteur est roulé en étoile. Dans ce sens-là. OK. Parce qu'il y a, nous l'a dit correct, il y a un verrouillage, etc. Ouais. Moi, je stoppe, mon ouvert, conception. Bastien, quand KM3, quand KM3, l'associé un temporisateur en lui. Allez, l'associé un temporisateur en lui. D'un coup, ce n'est pas possible parce que j'ai un bon fin de siècle comme ça, mais je vais essayer là, je vais trouver le siècle, je vais commencer. Allez, nous, d'un coup, qui fait commencer, c'est-à-dire mon rôle est un contact temporisé. Contact temporisé. Et non. Contact temporisé. Allez, on veut dire qu'il faut. On veut dire. Contact normalement fermé, temporisé. On veut dire N comme ça. Contact normalement ouvert, temporisé. On veut dire N comme ça. OK. Ça veut dire là. Là, nous mettons ça, l'associer ça et KM3. KM3, ça veut dire quand KM3 pour alimenter, nous associer ça là. Nous mettons ça par exemple là. Nous mettons commande, quand KM3 va alimenter, nous disons après 5 secondes, nous mettons ce balai à 5, après 5 secondes, KM3 pour désalimenter. Ça vient lui-même pour désalimenter lui-même. Il est supposé désalimenter lui-même. OK. Et si nous vous mettez ça quand même droit là, moi je fais que ce me comprends que vous pouvez faire. Hein? Quand même droit là.
Venir là, moi, tu veux bien mettre à la place de ça là, moi, tu veux bien mettre ça ici. Et là, il faut des aliments lui-même. Et là, quand il des aliments lui-même, en principe, il est refermé pour lui alimenter quand même quatre. Mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il existe que ça trois contacts là pour faire un travail. Il est impossible. Il est impossible. Alors, c'est qu'il m'a fait. Moi, c'est la vie. Moi, je dis ça. Moi, c'est la vie, un contact, une bobine. Une bobine. KA, si je m'appelle KA230 volts. Ça vient une bobine auxiliaire. Voilà. Correct. Toujours. Commande. Et toujours. Bon, si je veux dire le mot grand, je peux poser. Avec la fosse en anglais. Alors, on est guidé et rabâché là-bas. OK. K1. Moi, fais une chose. Moi, j'avais un contact temporisé. Léna, Sam Lala, m'appelle Li, K1. OK, on va dire K1. Et ça, moi, je suppose, alimente KM3. Bobine, ici, déjà, le bobine. Bobine KM3. Je fais une ligne droite. Je descends ni là. Je mets le commande et ça se dans ça. Mais seulement, il y a des affaires que nous ratons. Nous ratons parce que quand KM3 va alimenter, il est obligé de verrouiller électriquement avec KM4. Alors, nous avons un contact normalement fermé. Nous prenons un contact là, par exemple. Contrôle suivi. On parle là-bas. On finit faire là. On dit ça. On met un contact ici, là. On fait verrouillage électrique. Ouais. À chaque coup, on peut faire ça. Il y a mis alors. Commande. Et ça, on va associer l'I et K. KM. KM. 4. Verrouillage électrique. OK? Et là, ça, moi, je suppose, nous mettons là, par exemple. Hein. OK? Et ça là, c'est KM, même affaire, KE, KA, 1, OK, nous donne ni sa valeur, nous dit 5 secondes, on veut dire, comment ça là, couper ça là pour fermer pendant un moment donné, il n'est pas pour alimenter du tout, bon, 5 secondes, un petit moment donné, hein, de la bonne manière transitoire, etc., que nous avons expliqué dans nos théories, leçon précédente. Correct? Ça n'a là, ni pour visage, un verrouillage de. Bon, bien sûr, une commande, ça, il vous a dit mince. Une commande, ça, oui, comment il va moins. Image, allez, bon. Ça veut dire là, à ce là, on prend une bobine de KM. On met une bobine là. KM4. Commande. 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 OK? Et là, bobine là. Là. Et toujours, moi j'avais ça, c'est commande. Ça aussi, c'est commande. OK. Nous, je posais, moi, c'est là. Ça veut dire, moi, alimente un K1, K1, il vous alimente KN3, après 5 secondes, il vous coupez. Moi, il y a un verrouillage avec ça, c'est-à-dire qu'on va couper.
Non, un lambda quand même. 3. OK? Après un certain temps, quand ça en a pour couper, ça veut dire aller pour retourner, ça en a pour fermer, mais aller pour fermer, prendre 5 secondes pour fermer, il faut alimenter ça de même vitesse. Et nous guetter un coup, hein, c'est arrivé. Ça veut dire, moi enregistré bien avant, enregistré, ça veut dire, moi c'est moi simulé, moi ferme ça, moi ferme ça, et ça problème, le même problème que je suis gagné au commencement. Ça veut dire, mon contact étoile, il finit à alimenter. Nous réglons entièrement là. Ça veut dire, nous guettons un coup là, c'est arrivé. Marche avant. T'as un. Ça, pour couper après 5 secondes. Après, elle a contacté le triangle rentré et rentré autour d'une pipe foncée. Et quand il y a une pipe foncée dans la même direction, on stop. Toujours contacter l'étoile dans l'alimenter au commencement même, parce que le système même pas bon là. Le bout de récit là. Viens là, KA1, après 5 secondes, étoile pour couper, ça pour rentrer, ça pour rentrer, il va tout de notre façon. OK? Et mon conception, ce qui peut arriver là, mon coup dit ça là, ça veut dire ça, on vous risque ça là, correct, et ça, on vous met ça là. Ça veut dire qui peut arriver, ça veut dire. Bon, bien sûr, commande, pas OK? Qui peut arriver là? Ça veut dire, quand on alimente soit KM1, soit KM2, quand on a des contacts là, soit ça soit fermé, là, mon contacteur, triangle, pour alimenter. Ça veut dire, au commencement, il va pas alimenter. Faudrait-moi plus le bouton vous soit S2 ou S3, pour alimenter. Nous simuler. Et mon ferme sectionnaire de puissance, contact avec plusieurs fermés, on ferme ça, vous voyez là, il y en a rien alimenté, et S2, K1, ça, alimenté, après 5 secondes, ça en a coupé, ça en a dans la même direction, et mon désalimenté, S3, et dans l'autre direction, après 5 secondes, ça a coupé, ça a rentré, voilà. Voilà, monsieur, voilà ce qu'il nous appelle un schéma de puissance et mon schéma de commande. Bon, bien sûr, mon caramel ban arrêt d'urgence avec coup de poing, je suis là-dedans. Et mon schéma de commande d'un moteur asynchrone triphasé en deux sens de marche. OK? Il est important de te mettre ça là. Et là, man livre, mettre ban verrouillage ici. Ça veut dire entre KM1 et KM2. Et il n'est pas important. Hein. Il n'est pas important. Il ne faut pas qu'on écrive un livre d'affaires. Hein. Mais dans la norme, il n'est pas nécessaire à faire ça. Correct? Ça veut dire, nous verrouillage, nous met 10 dans le contact principal. OK? Et moi, pour imprimer ça, mais avant moi, imprimer, ni mon professeur légende, tout. Bon, moi, vous avez fait sur légende, je pense, je explique ça, le circuit. Mon professeur légende, moi, je mettre un titre avant moi, imprimer. Et là, mon posté dans la description du vidéo qui m'a posté après. OK? Allez, bonne jeune. Pour le moment, au revoir. Peut-être tout à l'heure, vous pourrez envie de refaire une vidéo. On va refaire une vidéo. OK? Moi, je stop de chair. Moi, Yazot, bonjour. Parce que nous, très tôt le matin, là, 8h44, 8h44, c'est un peu frais. Mon père est enrhumé. La prochaine, vous me mettez dans la tête, donc on mange. Allez, au revoir et peut-être, à tout à l'heure.